au gâteau. Ah, j'ai prêt à choisir le décor du mien. Waouh, les verres en marmelade, c'est génial. Regarde combien il y en a. Maintenant, c'est à ton tour de faire tourner la roue. J'ai peur de recevoir quelque chose de moins savoureux. Je le savais, les vrais verres sont dégoûtants. Oh, ils sont si moches. Je ne peux pas mettre ça sur mon gâteau. Tu ne peux rien y faire. Que tu veuilles ou non, tu dois le faire. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir. Oh non, elle bouge. C'est tellement affreux. Et pourquoi il y en a si peu? Tu dois tout mettre. Je ne pensais pas que tu étais si cruelle. Je croyais que tu étais mon amie. Oui, ce n'est pas très beau à voir, mais c'est pas ma faute. Ce sont les règles. Je ne veux pas le mettre dans ma bouche. Les verres vont bouger. Non, je ne vais pas supporter ça. C'est dégoûtant. Il faut manger cela avec du gâteau, sans décoration. Oh, c'est encore dégoûtant. Non, ça a goût de verre. Je crois qu'il y a quelque chose qui rentre sur mon visage, non pas ça. Encore des verres. J'en ai tellement marre d'eux. Elles rentrent même dans mes cheveux. Quand est-ce que ça va se terminer? Tu es prête pour plus prudente? Un verre a volé juste sur mon nez. Heureusement qu'il t'a tout mangé, il ne me reste pas des verres en gélatine. Oui, on ne peut pas imaginer une meilleure décoration. Oh, regarde comme c'est beau. Oui, c'est cool ça. Hello. Et comme c'est bon. Je peux manger le gâteau entier. Oui, j'adore ça. Kate, tu peux pas me donner quelque chose? Au moins une tranche? S'il te plaît. Oh non, bien sûr que non. C'est la réponse que j'attendais. Eh bien, je vais te donner une leçon, copine. C'est quoi une attaque? Je peux défendre mon gâteau. Voyons, qui se montre plus fort, défends-toi. Tu te défends, toi. Je sais comment attaquer. Oh, elle s'en crêpe. Pourquoi? Ouais, je suis prête à faire n'importe quoi pour le gâteau. J'ai perdu. Je ne pourrai pas goûter le gâteau. Je te le rappellerai. J'ai un nouveau plan. Eh, qu'est-ce que tu fais, Mila? Et bon, maintenant, tout le gâteau est à moi. T'es toute seule. Je suis prête à faire tourner la roue en première. Oh non! Quel vent fort! C'est impossible. C'est quoi les piments forts? T'as finalement obtenu quelque chose de méchant et pas gentil. Voyons comment tu t'en sors. Je suis sûre que la chance sera de mon côté. T'as finalement eu quelque chose de bon et c'est des yeux de marmelade. Ce n'est pas juste. Ah oui, c'est la décision du destin. Regarde comme les yeux de la marmelade sont beaux sur mon gâteau. Oui, c'est la meilleure combinaison de saveurs. Je me souviendrai toujours de ce gâteau. J'ai envie de l'essayer aussi. Pas du tout. Tu ne l'as pas partagé avec moi? Je ne le ferai pas non plus. Ah oui, non, t'as failli me blesser. Maintenant, tu ne toucheras pas à mon gâteau. Et pourquoi j'ai besoin de cette fourchette? Je le mangeais avec mes mains. Ça a meilleur goût. Et en plus, tu peux en mettre beaucoup plus dans ta bouche en même temps. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est délicieux. C'est un rêve devenu réalité. T'as raison. Mais c'est inconvénient. C'est épuisé trop vite. Il ne restait que l'œil en gelée. Et si tu te lançais, l'attraper avec ta bouche. Oh non, j'ai raté. Je ne sais pas comment c'est sorti. Oui, un vrai cadeau du destin. J'ai réussi à goûter la marmelade après tout. Et maintenant, mange ton gâteau au piment. Merci de me le rappeler. Bon, je vais commencer par les décorations. D'ailleurs, cela se révèle assez bien. Regarde comme ces couleurs vont bien ensemble. Maintenant, découvrons le goût de ton gâteau. T'aurais pu te passer de cela. On dira que je ne vais nulle part, je vais devoir l'essayer. Je peux déjà goûter les épices. Non, 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 j'aime pas ça. Eh, pourquoi si peu? Prends plusieurs morceaux à la fois. Tu verras, rien de bon s'en sortira. C'est même pas de mots dans le thé. Termine tout. C'est ça. J'espère que tu es heureuse maintenant. Oh non, je pense qu'il va y avoir un incendie. Mon Dieu, je suis en feu. On dirait que j'en ai fait trop après tout. Attends, Kate, je vais chercher de l'eau. Oh, c'est si bon.
Merci. C'est à mon tour de faire tourner la roue en première. Cactus. Wow. What? Mais c'est épineux. Comment je suis censée le manger? Attendez une seconde. Je pense qu'il y a eu une erreur. La roue s'est arrêtée sur les frites. Très bien, très bien. Il n'y a pas moyen de tricher. C'est vrai, tu ne peux pas me tromper. Maintenant, je vais faire tourner la roue. Mon instinct me dit que je vais recevoir quelque chose de très délicieux. Chingo, mon instinct avait raison. Waouh, tant de variétés. Tu aurais pu m'en donner un mois en chewing-gum? Et pas du tout. J'ai envie de les essayer tous moi-même. Je pense que si tu combines les couleurs, ce serait très joli et lumineux. Et ça sent délicieux sur le bonbon. Le résultat est vraiment génial. J'adorerais avoir un gâteau comme ça. Tu n'as pas besoin d'utiliser tous les chewing-gums pour la décoration. Tu peux en manger juste comme ça. Oui, t'as raison. Ou garde. J'ai un cœur. Wow, c'est vraiment sympa. Je pense que cela compléterait parfaitement la composition entière. C'est génial. T'es une merveilleuse décoratrice. Merci. Le grand moment est enfin arrivé. Tu peux enfin essayer ce que j'ai. Je n'ai aucun doute que c'est follement délicieux. Ah oui, t'as 100% raison. Je ne m'arrêterai pas avant de voir tout manger. T'es toute sale. Où sont tes bonnes manières? Admets-le, t'es juste jalouse de moi. Oh, j'ai complètement oublié que tu peux faire des bulles avec du chewing-gum. Peut-être il faut s'arrêter. Cette bulle me fait peur. Elle est vraiment grosse. C'est tout. Je dois y mettre un terme, désolée. Qu'est-ce que t'as fait, Mila? Tu m'as mis de moral dans les chaussettes, c'est scandaleux. Oh, c'est ta propre faute, je t'ai dit de t'arrêter. Oh non, quel cactus épineux. Je ne peux pas le manger, moi. Avant quelque chose, c'est ton problème. J'ai une idée, je vais essayer de le faire fonctionner. J'ai peur que ces ciseaux ne fonctionnent pas. Je me vois quelque chose de plus petit. Ça, c'est trop grand. Mais ces ciseaux, oui, c'est parfait, ça. Il est temps de donner une coupe de cheveux à mon cactus. Ah oui, c'est le but de ton plan, génial. Merci. J'espère que je peux maintenant manger mon gâteau et du cactus et pas me blesser. Mais pourquoi tu prends tant de temps? Je m'endors. Hé, hey, réveille-toi. Non, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai été blessée. Dépêche-toi de décorer ton gâteau. Oui, je sais. Je vais frotter mon cactus sur une râpe. Ça sera beaucoup plus pratique à l'utiliser pour la décoration. Oh, bien comme la couche uniforme. J'ai fait du bon travail. C'est bien pour toi. Il est temps de découvrir quel goût ça. Le cactus, c'est un peu amer. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais. C'est génial. Pour toi. Waouh, quelle énorme pile de pop-its! Bizarrement, je pense que mon pop-it est cassé. Je peux pas appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que tu vas faire? Non mais arrête de sentir. Tu peux pas manger ces trucs. C'est faux. Mon pop-it est fait de marmelade. Et c'est vraiment très bon. Waouh, c'est de la bonne chance. Eh bien voilà, il ne reste plus grand-chose. Je l'ai fait rapidement. Qu'est-ce que vous regardez? C'est à vous. Peut-être que mes pop-it sont aussi de la marmelade. Je pense pas qu'ils sont trop durs. Oh, c'est du chocolat. Je suis encore plus chanceuse que je ne l'ai pensé. Mon chocolat blanc préféré avec des bonbons à l'intérieur. Ouais, j'aurais aimé pouvoir le goûter. C'est un bon point que tu l'as soulevé, Phoebe. Je ne vais pas partager. Mia, t'as de la peinture partout sur ton visage. La belle affaire. Je peux réparer tout ça. C'est ça. C'est presque propre. Bon, je suis le seul qui reste. Et c'est une excellente nouvelle. Je me demande ce qu'ils ont fait des pop-its. On dirait que ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce sont de vrais pop-its. Cool. Nous pouvons jouer. Mon Dieu, c'est tellement apaisant. Oui, je pourrais définitivement l'utiliser en ce moment. Waouh, des chips. Oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais pourquoi chacun de nous n'a qu'un seul pot? Je sais pas, mais je pense que nous devrions essayer quand même. Alors, Phoebe? Je comprends pas. Oh non! Les chips auraient directement dans ton eau ici, Laurent. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je pensais que le pot est vide.
C'est bien pour moi au moins prendre un petit dentin, c'est ça. Bon, il est temps de vérifier ce qu'il y a dans mon pot. J'espère qu'il y a une plus grande portion. Oh ouais, pas du tout. Ce pot n'a pas de fond, il n'y a pas de chips non plus. Nani, jette un coup d'œil à la table. Mais voilà, comment j'ai pu les manquer? Je pense qu'il y a une dizaine entière ici. C'est des petits murmures qu'une seule chips. Félicitations. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai une allée. Oh, j'ai envie vraiment d'éternuer. Oh, je suis soulagée. Elle est maintenant temps de se rafraîchir. Oh, c'est reparti. Non, mais t'as soufflé toutes les chips. Bon sang, Mia. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Fais-moi confiance, je sais comment gérer la nourriture. Waouh, c'est beaucoup de chips. Elle ne s'épuise jamais. Et elle s'entend dans cette pile, waouh. Ça te dérange si j'essaie? Bien sûr que ça me dérange. Ne vous approchez pas de ma nourriture, je peux très bien me débrouiller toute seule sans votre aide. Incroyable, comment t'as réussi à faire devenir tout ça en toi? Je suis capable de plus que ça. Oh waouh, on dirait que quelqu'un s'étouffe. C'est le moment de sauver Mia. Une seconde, je suis en route pour vous aider. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Vous êtes en dernier. Non, mais qu'est-ce qu'il va pas avec cette coupe, hein? Non, mais ça va partout. Quel cauchemar, j'ai tout mouillé. Je sais pas comment c'est arrivé. Waouh, il y a tellement de Kit Kat. Je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup. J'ai dit d'entre eux, ce n'est pas mal. Et Bibi n'avait qu'en sol. Perdante. Mais je suis sûre que c'est le plus savoureux de tous. Attention, pas besoin de jeter les emballages sur moi. Oh, quelle épaisse couche de chocolat. C'est génial. J'adore aussi les gaufres à l'intérieur du Kit Kat. T'as des miettes partout. Désolée, c'est sorti complètement par accident. Nous te le rappellerons encore une fois. Une autre fois, mais pour l'instant, Mia a besoin de s'occuper de ses chocolats. Oh oui, je pense que c'est une excellente idée. Avec quelle habileté et quelle rapidité tu t'es débarrassée des emballages, cool. Oui, c'est complètement inutile. Je suis intéressée que par le chocolat. Je n'arrive pas à le couper avec une fourchette et un côté. Je vais me débrouiller sans ça. Comme c'est bon. C'est incroyable. Oui, je ne peux pas m'arrêter, c'est incroyable. Où sont passées tes manières, Mia? Tu n'as pas l'air d'être toi-même. Une barre de chocolat s'est tombée. Dans sa vie, je ne voudrais pas me trouver dans ta main chaude. Tu n'es pas méfiant pour rien, Dani. Quiconque essaie de prendre ma nourriture doit attendre. Dani, reprends tes esprits. T'as encore une centaine de barres de chocolat à manger. Oui, t'as raison. Oh non, je peux pas faire comme ça. J'ai besoin de quelque chose de spécial. J'ai décidé de construire quelque chose d'énorme. C'est une structure que vous n'avez jamais vue auparavant, je vous le jure. Ça a l'air vraiment incroyable. J'aurais besoin d'une échelle pour monter au sommet. C'est fait. C'était la dernière brique sucrée. Ne me demandez pas de descendre, c'est vraiment bien ici. Tu ne veux pas, peu importe. C'est même bon pour nous, désolé, Denis, mais ton construction, c'est terminé. Oh non, qu'est-ce que vous avez fait? Non mais j'ai fait tellement d'efforts. Oui, il n'y avait pas d'autre option. Nous devrions faire ça pour le chocolat. Mais oui, et nous ne regrettons rien. Ça en valait la peine. Quand aurons-nous la chance d'avoir une telle envie de souffrir? Et on peut jeter tout ça. Sheila, j'espère que je ne vais pas manquer. Je me sens un peu tourtée. Heureusement que j'ai mon casque. T'es si drôle. J'ai finalement obtenu le gros lot de tous les temps. Une centaine de chewing-gums. Qu'est-ce que vous avez? Dania, console chewing-gum. Je pense pas, je pense que c'est très drôle. Regardez, il y a un chewing-gum. Non mais il y en a vraiment beaucoup en fait. Mia, je suis désolée, je pensais pas que je pouvais te frapper. Bon, commençons. J'ai montré comment fonctionnaient les vrais fans de chewing-gum. Ce serait génial s'ils ne jetaient pas les ordures partout. Oh merde, t'as n'importe quoi. Tu n'aurais pas dû me frapper en fait. Qu'est-ce que tu fais, Dani? Ça a l'air bizarre. Mais c'est très pratique. Deux secondes, j'ai déjà mis tous les chewing-gums dans ma bouche. Maintenant, regardez les bulles que je peux faire. Wow, tu devrais travailler dans un cirque.
J'espère que c'est un compliment, si c'est le cas, merci Mia. Bravo, c'était génial. Maintenant, c'est le tour de Mia. Waouh, t'as encore enlevé l'emballage d'un seul coup, génial. Je peux faire des tours comme ça facilement. Je peux aussi aspirer le chewing-gum dans ma bouche comme un aspirateur. Waouh, une grosse bulle. Je pense qu'il est temps que je fasse éclater. Désolée, Mia. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ferais mieux de me couvrir. Qu'est-ce que t'as fait, Dani? Je ne peux rien voir. C'est probablement parce que je suis partout sur mon visage. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Tu viens de te faire épiler les sourcils. Oh non! C'est horrible! C'est vraiment pas très agréable de regarder tout ça. C'est ta propre faute. Mais maintenant, je vais bien. Elle est temps pour moi de faire travailler mes mâchoires. Attention, Phoebe, tu pourrais casser la table. J'ai mal calculé ma force. J'étais très pressée d'enlever les emballages de mes chewing-gums, désolée. Mais t'as quoi, une bouche en couture? Comment tu fais pour entrer autant de nourriture là-dedans? Allez, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Phoebe, tu vas où? Stop, je te tiens. Oh non! Dani, ça ne sert à rien. Son ballon s'avère être très gros. Mais nous devons la sauver. Il y a une solution. Nous devons tirer une ronde et faire éclater le ballon. Bon, ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense que je peux le faire. Oh là, t'as arrêté ton coup. Laisse-moi essayer. T'es sûr? Ah, ma bulle a éclaté. Ça a fonctionné, mais maintenant, non, elle tombe. Je vais essayer de l'attraper. T'as encore échoué. Désolée, j'ai fait de mon mieux. Eh bien, merci. Les filles, c'est le challenge. Je dois ouvrir mon coffre en première. C'est cool. J'ai pris un milkshake Snickers. Mais comment je suis censée le boire? Non, mais tu te moques de nous? Il suffit d'ouvrir le couvercle. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je peux y aller? Bien sûr. Que non. C'est mon cocktail, alors je vais le boire. De plus, c'est très savoureux. Oh oui. C'est le genre de choses délicieuses qui devraient être mangées par moi. Arrête, je vais te montrer maintenant. C'est le cocktail, c'est délicieux. Alors tiens. Qu'est-ce que t'as fait? Il n'y en a plus. Ce qui signifie que je n'ai rien à boire. Ce n'est pas juste. C'est à mon tour d'ouvrir le coffre-fort. Du poisson? Mais pourquoi quelqu'un boit un cocktail et moi du poisson? C'est tellement dégoûtant et puant. Garde-la loin de nous. Et dépêche-toi de manger avant qu'elle ne fasse puer toute la pièce. Et si je vomis, c'est de votre faute. Oh, comme c'est dégoûtant. Non, je peux pas manger un poisson entier. Mais tu dois le faire. D'accord. Mais je vais être malade rien qu'en regardant. Horrible. Mais pourquoi vous m'avez fait manger ça? Non mais arrêtez. Pourquoi tu rigoles? Tu ferais mieux de te pêcher et d'ouvrir ton coffre-fort. Je suis d'accord, il est grand temps. C'est tout? Un bonbon Skittles? Alors ça doit être très savoureux. Un bonbon ordinaire, bizarre. Wow! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Les filles, je crois que j'ai des Skittles. Je rêve de la boire depuis que je suis toute petite. Cool. Maintenant, je porte des deux quantités infinies de bonbons. Je peux en avoir aussi. Bien sûr. Miam. Kate, tu veux? Non, c'est trop dégoûtant. Cool, c'est vraiment la seule maladie cool. Kate, tu veux pas essayer? Non, j'ai dit que non. Dégoûtant. Juste pour que je couvre le coffre-fort en première. Quelle surprise! Je n'ai jamais eu autant de pop-its. Ils sont tellement inhabituels. C'est de la marmelade. Les filles, vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Non. Est-ce que ça a un bon goût? Bien sûr. C'est incroyablement délicieux. Je mange chaque pop-it le plus vite possible. Oh oui. Oui, on veut vraiment manger.
Je pense que Kate ne sera pas contre. Si on prend juste une bouchée de le reste de Pop-It. Non, elle ne sera pas contre. Et non! Non, bien sûr que je suivrai. C'est tout à moi. Ok. Bon, je me demande ce qui m'attend moi. Oh non! Je n'aimerais ne pas le savoir. J'ai tellement peur des vers. Pourquoi j'ai puni comme ça? Toi? Non mais pourquoi moi j'ai puni? Enlevons-moi cette horreur. Je vous en supplie. C'est vrai, j'ai une idée géniale. Un petit coup d'aspirateur sauvera Kate. Oh oui. Oh non. Non mais un verre. Non mais quel verre? Juste au-dessus de ta lèvre. Oups, j'en ai manqué un. Kate, lâche l'aspirateur. Arrête de l'embrasser. Bon, le travail est terminé. Quel beau travail que j'ai fait. Oh wow. Kate, tu devrais boire tes lèvres. Tu ressembles à une grenouille. Rire des problèmes des autres n'est pas bon. Vous devrez finir vers là pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est affreux, dégueulasse. Éloignez-le de moi. Non. Vas-y, regarde ce qu'il y a dans ton coffre. Oui. Waouh. Il y a une sorte de potion là-dedans. J'espère que cela fera de moi la plus belle fille du monde. Quelle sensation bizarre. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, je suis tellement petite. S'il vous plaît, donnez-moi en haut. Oh, tellement mignonne. Non, je veux tellement la toucher. Oh! Oh, wow! Je suis maintenant la fille la plus petite du monde. C'est le bon côté des choses. Par exemple, Pop-It, c'est vraiment un trampoline. Elle est tellement mignonne. Ça me donne envie de la caresser. Ah, ça fait mal. Regarde ce que t'as fait à mon doigt. C'est bon, elle devrait payer pour ça. Kate, tu veux aussi voir une petite fille combattre un verre, n'est-ce pas? Je pense que c'est très divertissant. Vas-y, vas-y. Jeline, croyons en toi. J'espère qu'elle s'en sortira. Tiens, tiens. Oui, oui, oui. Ouais. Julie a gagné. Julie, félicitations, c'était vraiment cool. Les filles, tout cela grâce à votre soutien. Qu'est-ce qui m'attend cette fois-ci? Oh non. Je ne vais pas manger de la viande crue. Les filles, je suis désolée, mais c'est trop. Tiens, une assiette pour toi et bon appétit. Non, mais vous êtes tellement cruelles. Ce n'est pas de la viande, c'est du caoutchouc. J'arrive pas à mordre. C'est bon, j'en ai assez. Un couteau et une fourchette devraient t'aider. Alors mange. Oh! Je crois que j'ai un peu exagéré. Je pourrais même manger une assiette. Oh! Les journaux vont inventer la viande de frites pour rien. C'est réel de manger cru. Une seule bouche et me rend malade. Je n'en peux plus. Il est mieux d'ouvrir ton coffre fort. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Une baguette magique! Oh, je me demande quel genre de sort ça peut faire. Il faut juste la faire tourner. Ah! Non, on me frappe! Je pense que j'ai bien appris. T'as failli me brûler. Regarde ce que t'as fait. T'as pas honte de brûler les affaires des autres. C'est pas moi, c'est la baguette magique. Non, mais elle est prête à me frapper, moi. Mettons-la sur la table. Kate, il est temps pour toi d'ouvrir le coffre. Oui, c'est sûr. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est bon. Oui, de la crème glacée. Bah, les pâtes. Je n'ai qu'un seul seau.
Il n'y a pas trop de crème glacée. Alors, c'est à moi. Non, mais une telle cuillère n'est pas assez bonne pour manger. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. Oui, maintenant, c'est parti. Il n'y a rien de plus cool que la crème glacée lors d'une journée chaude d'été. Laisse-nous au moins lécher. Eh non. On met tes boulangues dans la bouche. Radine. Kate, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu dur. Bon, je sais comment la sauver. Une baguette magique, t'adore. Thank you. Les filles, merci beaucoup. Ça bouge sera gelé pour toujours. Et comme ça, je ne fais que brûler. Arrête, tu es en feu. C'est une excellente occasion de cuisiner les restes de viande. Au lieu de la viande douce, je vais avoir un délicieux kebab. J'étais juste à temps pour avoir faim. Kate, ta tête brûlée m'a sauvée. Miam. Oui, c'est très, très, très bon. Merci, Kate. Elle est à nous découvrir ce qui m'attend cette fois-ci. C'est ça, tout le monde aime le Nutella. Et je ne fais pas exception. Et regarde ce que t'as fait. Pas de problème. Je vais tout réparer. Oh, ça fait mal. Arrête de jeter le couvercle dans tous les sens. Je ne le ferai plus. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est manger ces délicieux Nutella. Jolie, tu ne dois même pas rêver de pâte au chocolat. Et j'ai le temps de l'essayer. Comme tout le monde est avide. Mais en fait, je n'ai pas eu de goût non plus. C'est bon. Oh, les filles, j'ai un problème. Maman est coincée dans le pot. Aidez-moi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un ami? Même si elle est vraiment une padine. Vas-y, vas-y. Encore un peu. Enfin. Oh, il reste même de la pâte dans le pot. Juste pour nous. Merci beaucoup pour votre aide. J'ai commencé à penser que j'allais devoir vivre avec un pot sur les bras. Oh, il reste un peu. Kate, pourquoi t'es là? Vas-y, ouvre. Ça sent pas bon. Oh non. Et un morceau de fromage est très adorant qui m'attend à l'intérieur. Les filles, cela me dépasse. Je pense que Julie et moi pouvons t'aider. Bien sûr que nous le ferons. Nous allons t'aider à mettre du fromage dans ta bouche. Oh, je me sens pas très bien. C'était juste dégoûtant. J'ai presque vomi. Julie, qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Oui, je suis très curieuse de le savoir. Oh oui! Nous sommes enfin libres! Oui! J'ai l'impression que nous sommes sur le point d'avoir un vrai repas. Regardez! Quelle énorme boîte de Skittles! Oh. On peut déjà goûter ça? Regardons les cartes pour commencer. Oh, je serai la plus lente! Et je serai la plus rapide! Vitesse moyenne, okay. J'aime ça. Ne perdons pas tant, je m'y mets. Je pense que c'est trop rapide, même pour moi. J'ai trouvé, je sais comment manger facilement tous les bonbons en quelques secondes. Nous devons les coder par la couleur. Oh, cool. Oui, t'as bien fait. Merci. J'avais raison, manger à travers une paille est bien plus pratique. Waouh, ma langue est toute jaune. C'est bon. Et va bientôt changer de couleur de toute façon. Montre-moi. Oh, c'est très intéressant. C'est vraiment le cas. Ta langue est verte. Ça ne sera pas long. Je pense que ça sera violet à la fin. Oh, waouh! Il est multicolore. Je ne m'attendais pas à cela. Si t'as terminé, il est temps pour moi de m'y mettre. Oh oui, tu n'aurais pas dû planter les bonbons. Vas-y, laisse-moi t'aider. T'ouvre la bouche et moi, je vais jeter des Skittles. Jennifer, comme moi, tu ne peux pas te vanter d'être douée au tir. Tous les bonbons sont à travers. Allez, mais c'est amusant. Mais je m'amuserai bien avec toi. Mais je dois manger. Wow, il n'y a plus de bonbons. Je n'ai pas remarqué. Oh, à cause de toi, je n'ai pas pu les essayer. Et j'ai encore le moment. J'ai mis le premier bonbon dans ma mouche. Ah, je t'en supplie, dépêche-toi. Oh, il y a pourtant moyen d'éviter cela. J'ai compris. Tu veux que nous aidions Mia? C'est une excellente idée.
Nous sommes une vraie équipe. En fait, je vous n'ai pas demandé de m'aider. Ce sont mes bonbons. Kate, dépêche-toi. Viens, vous couper nos pailles. C'est fait. Je ne peux pas vous laisser voler mes bonbons. Je vais les manger moi-même. Non! Pas du tout, c'est trop tard. Oh non, j'ai pas eu le temps. Je ne pourrons pas, c'est à un autre tour. Je me demande ce qui nous attend cette fois-ci. Nutella! C'est une belle surprise. Dépêchez-vous. Oh, je n'ai pas d'autre endroit où me presser. Voyons ce que j'ai, moi. Cool, je serai la plus rapide. J'ai obtenu le rythme moyen. Perdante. J'ai eu la meilleure chance aujourd'hui. Pauvre Kate, elle va passer un moment difficile. C'est bon, elle s'en remettra. En fait, j'ai déjà commencé, mais je suis gênée par l'emballage. J'espère que mes ongles pointus pourront le faire. Super! Je peux enfin manger la pâte de chocolat. Comme c'est doux! Je te regarde bien et ça me donne de l'appétit. Tu ne peux pas rester indifférent à la pâte de chocolat. Elle est temps pour moi d'accélérer le rythme. Je vais prendre plus de pâtes. Oh, ça n'a pas l'air très joli. Je m'en fiche. L'important, c'est que j'aime ça. Je n'ai jamais mangé autant de Nutella d'un coup. C'est un vrai paradis. Mais t'as déjà la pâte partout sur tes mains. Il faut que tu te laves un peu plus tard. J'ai mieux à faire maintenant. Tu te comportes comme une sale fille. Je ne peux pas regarder ça. Alors ne regarde pas. Arrête de me distraire, Juniper. Tu ne vois pas que je suis occupée? Je suis aussi occupée. Et une fois que j'ouvre ma pâte au chocolat, il s'avère que c'est très délicat. Oh, il y a tellement de Nutella! Non, il faut lécher tout. Oh, c'est vide, le pot. Je vais finir ce qui reste. Et ça ne sera plus très long maintenant. J'espère que tout sera bientôt terminé. Réjouis-toi, Jennifer. Tu n'as rien pas arrivé. Cela fait longtemps que j'attends cela. J'ai hâte d'avoir du chocolat. Je suis tellement heureuse pour toi. Mais ça serait mieux si tu me donnais le Nutella. Pas du tout. T'as déjà mangé ta portion. Maintenant, c'est mon tour. Cool. Ça se déverse directement dans ma bouche. Je n'ai même pas besoin d'une cuillère. Et si tu changerais d'avis et tu partagerais après tout? Alors, je dois utiliser mon plan de secours. Je mangerai la pâte quand personne ne regardera. What? Je ne comprends pas pourquoi la pâte ne coule pas. J'étais en train de le faire. Oh non! Elle n'a rien compris, c'est l'occasion de répéter mon exploit. Super! Awesome! Oh non, pas une goutte! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de me concentrer. Miam! J'ai tout compris. C'est à cause des miens. C'est bon, je vais l'apprendre. Je pense que je vais essayer à nouveau. Moi aussi. Oh, ça fait tellement mal! Je t'ai démasqué il y a longtemps, Mia. T'as eu ce que tu méritais. C'est ça, j'ai fini avec ma pâte. Alors, il ne reste que moi. Mais je suis pas pressée, je suis pas pressée du tout. Je vais ouvrir le pot. Ma patience est sur le point d'éclater. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Merci de m'avoir aidé, Mia. Mais ne sois pas si nerveuse, détends-toi. J'espère que je peux m'en sortir toute seule. J'ai bien peur que non. Laisse-moi t'aider à nouveau. C'est ça, c'est prêt, s'il te plaît, Kate, mange. Bon, t'es gentil, Mia. Un véritable ami. Merci encore. Grâce à toi, je peux goûter ma pâte de chocolat. Peut-être que je devrais le faire pour elle aussi. Je peux définitivement le faire. Les pâtes sont si proches. Jennifer, réveille-toi. Je ne peux pas rester assise plus longtemps. Oh, je peux déjà sentir le chocolat. Alors, comment ça se passe, Kate? T'as enfin goûté le Nutella. Jennifer, retournons-y. C'était délicieux. Merci d'avoir attendu. Où est notre nourriture? Je veux de la crème glacée. Oh, quel grand saut! J'adore! J'ai hâte de voir les cartes.
non! Oh non! Je vais tisser comme une tortue. Et je peux appuyer sur l'accélérateur. La vitesse moyenne, pas mauvaise. Prenons un bon rafraîchissement. Jennifer, tu peux te dépêcher à libérer ça. J'en ai besoin aussi. Oui, bien sûr, donne-moi un peu de temps. Qu'est-ce que tu fais, Emia? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais manger ma glace avant qu'elle ne fonde. Oh non, je n'arrive pas à sortir. Oui, j'ai réussi. On dirait un popsicle géant. Mais sans le chocolat. What? Génial. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Mia? Je vais bien. C'est un peu froid ici. Mais la situation est sous contrôle. D'une certaine façon, j'en suis pas si sûre. Oh non, Mia est complètement gelée. Non, mais qu'est-ce que tu veux, Jennifer? Tu veux vraiment utiliser un brûleur? C'est trop dangereux. Je préfère utiliser un sèche-cheveux. Come on! Oh, je peux à nouveau bouger. Ne t'arrête pas, Kate. Oh, merci beaucoup. Il s'avère que mon brûleur à gaz n'est plus nécessaire. Tout à fait juste. Vas-y, rangeons-la. Puisque ça s'est bien terminé, je peux goûter ma glace. En plus, j'ai déjà un plan spécial. Je vais me faire un cône. Ça va être plus joli. Vous allez voir. Super! Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon moi-même. Wow! Quelle énorme crème glacée que t'as faite! Incroyable! Et pourquoi tu m'as frappé, Kate? Probablement parce que tu voulais manger son cône. Je ne refuserai pas. Désolée, Mia, mais le cône est à moi. Je l'ai fait à l'heure, je le mangerai aussi. C'est délicieux. J'adore. Quelle que soit la façon dont tu lèches, c'est magnifique. Je ne doute pas une seconde que ce soit le cas. What? Oh non, pas ça! Ma corne est sur le point de tomber. C'est triste, ne te sens pas mal, Kate. Des choses arrivent. Eh bien voilà, je suis la seule qui reste. Oh non, ma crème glacée est complètement fondue. Oh mon Dieu! Bingo! Bon, le côté positif, c'est que maintenant, je peux le boire. Attention, attention, s'il te plaît! Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire attention. Elle a mouillé tous ses vêtements. Oui, mais c'était délicieux.